c'est une manipulatrice, c'est une gars qui veut se faire fabriquer. Voilà, elle a mis les gens dans le pain. Tu ne peux pas être dans un contrat avec une femme, tu insultes son grand frère. La pauvre, c'est une femme haineuse. C'est une gars qui est pleine de haine. C'était visible. Tu ne peux pas signer un contrat avec une dame et tu es en train d'insulter son grand frère. Hein? La moindre des choses, c'est que tu respectes au moins son grand frère, ne respecte pas. Là où elle est là, elle-même, elle finance l'anustologue à l'abbé Samé. C'est parce qu'il y a eu des problèmes entre M. Messon et l'abbé Samé. C'est pourquoi l'abbé Samé dévoile. Toutes les gens qui payent l'abbé Samé pour insulter les gens, ils sont nombreux sur la toile. C'est comme ça que les gens ont payé le petit Toby, là, le détruit. Les gens ont payé Toby pour insulter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe le temps à être une girouette, à gauche, à droite. Parce que aujourd'hui, le petit n'arrive plus à avoir la loyauté avec personne. Quand tu le payes, il fait le travail. Quand tu ne le payes pas, il te sabote. C'est ça les girouettes, les gens qui fonctionnent par rapport à l'argent. Pourquoi l'abbé Samé peut jouer le toutou là-bas, genre mon grand frère m'a envoyé aller clasher les gens? Mais qu'est-ce que l'abbé Samé fait depuis? Ça fait 5 ans. Qu'est-ce que l'abbé Samé, il vit de quoi? Il vit des clashs. Linda Monnery passe le temps à payer l'abbé Samé pour insulter les gens. Hein? Combien Mélissa appelle de la suite paye-les que Flo m'attaque. Tout ça. Parce qu'elle voulait acheter les consciences, les gens qui achètent des gens. Voilà, cette femme aujourd'hui, elle est mise à nu. She's naked. Partagez le direct, je vais vous mettre les voices. Quelle honte! Une femme, tu viens faire tes affaires, tu viens vendre tes produits, tu commences à venir entrer dans les trucs. Mais Greta Love, donc tu as la team. Comment tu pouvais, tu rivalises, il y a même la personne qui fait ta publicité, tu veux y rivaliser le blog avec elle. Tu ne dis même pas que mes tels, tu dis que mes Glutta Love. Tu arrives dans le blog, mes Glutta Love. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu as cogné la tête des frères, tu arrives à dormir. Tu prends quelqu'un pour la publicité, pour lui donner l'argent. Tu commences à faire ta grande, tu commences à faire ta star. Es. La maison en bordure de mer, ce n'est pas ta maison. Quand c'est nous là, les gens sortent pour nous insulter. Voilà, dame là. Mais je vais demander à Nicole Kitcha, mais depuis pourquoi tu ne soutiens pas M. Messon? Pourquoi depuis tu es silencieux, Nicole Kitcha? Tu es aussi neutre. Hein? Vous voyez comment vous êtes fou sur Internet. Il ne t'a pas insulté. Hein? Voilà, tout le jour, tu dis que M. Messon, c'est ton père, tu vas aller vendre. Monsieur Messant, tu dis que ma fille Nicole, la fille Nicole est absente. Le fils Samé, vendeur. Qu'on appelle les mauvais enfants. C'est pourquoi moi, je lui dis que les gens que vous êtes fausses. Voilà ton père. Ton papa. Ton père est menacé sur la toile. C'est le fils qu'il a dehors. C'est son fils qui est dehors qui vient le soutenir. Les enfants indignes. Hein? Tu n'as même pas encore commencé à faire la pub, tu te plains, mon frère. Quand toi tu vas alors faire ça, alors ça va être comment? Hein? Tu t'exerces, c'est-à-dire tu fais juste des essais qui te plaignent. Quand tu vas faire la vraie pub, là, ça va être comment alors? Donc prépare ton agenda, commence à noter dès à présent. Non, ben, au lieu de mettre ta soeur en haut, hein, que je devrais être ta soeur, que dès que tu mets seulement ta caméra, tu prononces Gluta Cosmétique. Quand tu vas créer ton parti politique des PTP, tu vas avoir besoin de fonds, n'est-ce pas? Voilà, et là tu sauras que tu avais supporté ta petite sœur et tout. Fais la lumière, je vais te bloquer dans mes lives. Hein. Ne te crois pas tout permis dans mes directs. Hein. Ne te crois pas en liberté totale. Tu n'es pas une donatrice, tu n'es pas quelqu'un qui m'apporte quelque chose dans mes lives. Donc viens. Ça va être comment alors? Nicole Kétia, monsieur Messant, c'est ton père. On est sur la toile, on prend la caméra, on dit la vérité. Il ne faut pas seulement inventer que du caméra 4 lettres. Hein? Il ne faut pas seulement mettre les voix de tu es courageux sur du caméra, il a 4 lettres. Du caméra n'a pas 4 lettres. Il a 19 lettres. Donc, toi, tu abandonnes ton père. Parce que tu es emprisonné. C'est pourquoi on vous dit que vous êtes en prison, vous n'êtes pas libre. Soutiens un peu ton père. Hein, Nicole?
rôle que tu as. Vous voyez comment vous êtes des fausses personnes? Vous voyez comment vous êtes des fausses personnes? Vous êtes des gens faux. Vous supportez les gens pour la visibilité. Maintenant, quand ces gens sont attaqués, hein? Quand les gens là sont attaqués, ton père est attaqué, tu fermes la bouche. Pourquoi? Parce que tu es incapable de dire la vérité. Ta vérité, c'est seulement sur Lolo, long Lolo, long Lolo. C'est pourquoi on vous clame, on dit que vous n'êtes pas des blogueurs. Vous êtes des insulteuses. On vous recrute pour ça. La femme voulait draguer M. Messin. Elle est neutre. Comment tu vas être neutre? Vous savez ce que Ahmed Poulet est en train de faire à M. Messin avec le tchélé qui est en Belgique. Hein? Non. Un blogueur doit être courageux sur tous les sujets. Il ne faut pas dire qu'un sujet, tu ne parles pas. Il faut, quand tu es dans la vérité, quand la neutralité, c'est le refus, Andika, je ne te permets pas, tu me dis pas ce que je fais dans mes lives. Je parle de. Parce que tu es incapable de dire la vérité. Tu es incapable de dire la vérité. Tu renies ton père. C'est pourquoi on vous dit que vous n'êtes pas, on ne peut pas vous considérer comme des vrais. Prends la parole. Un blogueur ne fuit pas un sujet. Quand tu sais que tu es capable de dire la vérité, tu ne fuis pas. Vous fuyez les sujets. Pourquoi? Pourquoi vous fuyez? Soyez dans la vérité. Si quelqu'un est ton ami, dis-lui la vérité. Sois capable de dire la vérité à quelqu'un. Il n'y a pas de. Je n'entre pas dans les problèmes. On entre dans les problèmes. Sur la toile. Comment tu vois un blogueur, tu fuis un sujet? Reste dans la vérité. Fais-toi détester pour la vérité. C'est mon père, monsieur, mais c'est mon père. Parce que quand il fait les tirs, il y a 4 000 personnes qui te prononcent. Il te fait ta publicité. Il te. Allô, bonsoir, c'est Camille. On t'entend pas, hein? Je pense que tu as mis le. Tu m'entends? D'accord. Merci déjà de me prendre. Je voulais dire deux choses que j'ai constatées quand tu parles, effectivement. Effectivement, je n'ai pas vu Nicole, mais je veux souligner deux points. Si Nicole n'est pas venue parce qu'on va dire qu'elle prend sa place de petite sœur, non, elle décide de rester. Juste à l'écart et d'observer. Sans encore. Sans. Non, je dis. Ouvert. Si c'est parce que elle veut rester neutre, ne pas frustrer et sa maman compresseur, et ne pas frustrer Monsieur Messon, ça encore, je peux comprendre. Mais si elle reste neutre parce que. Nicole ne vient pas. Et c'est clair et ça. C'est pas une. Il n'y a pas d'autre chose. Je vais lui demander à cette affaire que c'est une blogueuse qui il y a une affaire. Elle n'a pas le courage de défendre que c'est ça. Une blogueuse Maintenant, c'est pourquoi je dis que Facebook, c'est pourquoi je dis que Facebook vraiment c'est la dimension et je n'ai même pas le cardio. Ça n'a rien à voir avec le cardio. Facebook, c'est de la sorcellerie en plein jour. Pourquoi? Parce que il y a deux choses. Il y a deux choses. Ce matin, quand tu as lancé un live, je suis montée et il y a une dame qui a voulu m'égorger en me traitant de menteuse parce qu'elle faisait comprendre que Monsieur Messin est fautif et tout et tout et que la femme n'a fait que se défendre. Tu te rappelles ce matin? Elle m'a même traité de menteuse, que je ne connais pas ce qui s'est passé et tout. J'ai dit, c'est un peu trop précipité. Je peux parler? D'accord. Donc je disais que il y a deux choses qui m'ont interpellée dans le live de Monsieur Messon tout à l'heure. Quand la femme traite compresseur de mangeuse d'aile de poulet et qu'elle traite Flore de l'huile de baiser internationale, ça veut dire qu'effectivement, c'est une femme qui est sur la toile depuis longtemps et qui regarde les directs en faux profil. Et c'est une femme qui, moi j'ai toujours dit, hein, elle est venue parce qu'il lui fallait des vues. Il lui fallait de la starmania. Et il lui fallait trouver le moyen d'entrer dans les directs pour se faire connaître. Et elle a trouvé le meilleur moyen. Ça, c'est d'un. Et de deux, les onces avec laquelle elle parlait à M. Messon, j'ai l'impression qu'ils sont déjà habitués à discuter dans ce sens-là.
Donc, que compresseurs se disent que qu'elle soit professionnelle, hein, comme tout le monde le dit, elle fait son travail, elle cherche son argent et ça et basta. Mais il y a un truc qui m'interpelle du Cameroun. Je ne sais pas si tout le monde a vu comme moi. Et je suis tombée sur un direct que je n'ai pas du tout apprécié. J'ai écouté un direct de Amer Kamer et sa copine où j'ai vu le compresseur en train d'envoyer les cœurs, en train de féliciter Oshiga et Amer et tout. Honnêtement, moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait fondre le cœur. Je ne veux pas séparer compresseur et Flore, non. Mais sauf que, il faut que sur Internet, les gens apprennent à prendre du recul. Il faut qu'on apprenne sur Internet à prendre du recul. Franchement, moi, la place de compresseur, j'aurais vu Amer, même si je suis fâchée contre mon grand frère Messan, même si je suis d'accord avec Amer parce qu'on a le même ennemi actuellement qui est M. Messan, moi, je n'aurais pas voulu, honnêtement, j'aurais voulu que compresseur regarde ce direct par la fenêtre. Parce que quand je pense que Oshiga a lancé un live pendant 2 heures où elle l'insultait, elle lavait Flore par rapport à Petit Pays. Elle a osé insulter Flore et traiter Flore de zoophile. Insulter Flore qu'elle couche avec les chiens. Et que je vois, elle est en train de faire un direct avec son copain, avec Amer, et Perpétue en train de lancer les gars dedans. Moi, ça, j'ai eu mal, honnêtement. Parce que cette dame d'Oshiga, elle me sort par les narines. Et je ne veux pas que. Pardon? On ne t'entend pas, hein? Allô? Matin? Oui. T'as vu que quand on était en train de là, on l'a. Oshiga. Peut-être tu dis que Oshiga, c'est une poubelle de femme. Parce qu'une vraie femme qui entre dans une famille, quand elle répond comme ça, au lieu de réunir, d'arranger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde, elle tente de se dire. Elle vient dans une famille, il y a les gens qui sont la femme, entre dans la famille. Au lieu d'arranger, en train de se dire. Quand je vous dis que la femme, monsieur, mais ça peut être son. Regardez comment Oshiga parle. Qui doit pousser. Vous avez comment aussi. Monsieur Messan fait comme le père de Chiga. Regardez comment il est. Est-ce que monsieur Messan a manqué de respect aussi? Vous n'avez pas vu que cette fille, c'est la poubelle, que c'est la saleté, que c'est les ramassis de femmes. On peut respecter ça. Tu es dans la vie d'un homme, il a des problèmes avec quelqu'un grand frère. La sagesse, vous que tu essaies d'arranger. Non, Mais quand même, mais tu penses que tu vas faire Oshiga la Regarde-moi une poubelle, tu vas. et Amer. Mais du caméra, est-ce que tu penses qu'entre les deux, il y a des sentiments? Non, les deux, en fait, ils ont un même point commun, la recherche du buzz, la recherche des vues, dont tous les moyens sont bons. C'est ça le point commun. Et je suis sûre que ces deux personnes sont capables si c'était l'amour en direct, nu, s'ils savaient que ça pouvait leur envoyer des milliards, ils le feraient facilement. Un homme, il est mal. Voilà une femme que les gens regardent. La priorité. Avec tout le monde. Vu qu'à mettre ton son dérange, on n'entend pas bien. Hein? Ça s'entrecoupe. Alors, ça va être comment? Tu t'énerves. Et tu fais juste des essais. Quand tu vas faire la vraie, vraie preuve, là, ça va être comment alors? Donc, prépare ton agenda. Commence à noter dès à présent. Non, ouais. Au lieu de mettre ta soeur en haut, que je devrais être ta soeur, que dès que tu mets seulement ta caméra, tu prononces Greta Cosby. Quand tu vas créer ton parti politique de PTP, tu vas avoir besoin de. Voilà, elle a Et du coup, besoin parce que tu avais supporté ta petite sœur et tout. Mets pause 2 minutes. Seulement ce fois-ci, j'ai un peu confirmé qu'effectivement,
elle a utilisé la notoriété. Mais le reste, il n'y avait pas de contrat. Le a utilisé sa notoriété. Ça, c'est de un. Et de deux, du coup, il y a un truc qui me fait mal. Bonsoir. Pardon, je veux les live. Je veux le live, c'est des menteurs, ces gens-là. Pas... Regarde du Camer. Bonsoir tout le monde. L'affaire, c'est il y a trop de la manipulation dedans. Parce que les débuts des voix, le voix que tu poses là, ça c'est le début de leur relation. Et quand quelqu'un est ton ami, tu lui demandes 1 000 euros pour qu'il pose tous ses produits dans ton live, du Camer. Voilà pourquoi pas. Non, du Camer, je rectifie. Non, attends, laisse, je vais finir. Attendez, je finis. Ça dépend des relations dans la vie. Moi, si toi et moi, on a une certaine relation, on ne t'entend pas, pas du Camer. Attends. Je vais te dire, ça dépend de la relation. Il y a des relations ici, dehors des relations familiales. C'est ça qui a fait le problème. Ne soyons pas longs. Non, oui, mais ce n'est pas ça qui a fait le problème. Mais tu viens de mettre le voice là, non? C'est pour qu'on débat ou pas? Oui, le voice, mais le voice, c'est là où elle insulte. Dans le voice, il y a l'insulte. Bon, oui, il y a je te donne. C'est comme ça dans la je vie. Que bon, maintenant. Tu commentes, je veux que tu commentes l'insulte du compresseur et des flots dans le truc. Ne cherchez pas, parce que je sais ce que vous allez essayer de faire. Vous allez essayer de contourner ça. Mais cette dame même, je sais où je vais la voir. Voilà. Parce que quand elle dit que, est-ce que quand tu es l'ami de quelqu'un, tu peux accepter de payer 1 000 euros pour qu'on partage tes produits? Non, non, écoutez, moi, je vais en venir. Je viens, je vais, c'est par rapport mais au ça arrive fort. Il fait le direct Camer, tu peux me donner, tu peux me donner 1 minute. Je voulais faire une parenthèse. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Vas-y, ma chérie, parle. Du Camer vient de mettre. Oh là là. Du Camer, tu viens de mettre le début d'un voice où la dame demande à Monsieur Messan de faire la pub, de parler d'elle dans ses lives. D'accord? Bon, dans ce cas, moi, je parle de leurs affinités. Parce que où dans la vie où tu es là, il y a certaines personnes avec qui tu as certaines affinités. Tu as peut-être 2 personnes, 3 personnes avec qui tu t'entends. Mais parmi les 3 personnes, il y a une personne que tu as des affinités que tu n'as pas avec les 2 autres. D'accord? Et peut-être ces affinités-là, ils avaient des affinités. Peut-être déjà, ils sont un peu comme la famille. Moi, maintenant, le voice que tu viens de présenter là, tu ne peux pas connaître dans quel contexte leurs affinités était, dans quel point c'était. Non, non, non. Maintenant, je refuse. Non, je refuse. Parce que là, ce que vous voulez faire là, c'est ce qu'on m'a fait le matin, je n'accepte pas. C'est une insulte, point barre. Il n'y a pas à chercher le contexte. Parce que quand l'abbé Samé a sorti les trucs sur mes sangs, vous n'avez pas dit que dans quel contexte. Il faut m'arrêter la manipulation. Quand l'abbé Samé sort, personne n'a dit que. C'est pardon, ça veut dire. C'est la même lignée. Je n'y touche. Tu ne viens pas se pour quelqu'un qui est toute blanche et qui n'a rien à se reprocher. Voilà, pour quelqu'un qui est tout. Blanche et qui est toute, on ne savait pas ça. Et là, maintenant, si compresseur est une véritable femme, elle doit dire à la femme pourquoi tu parles de moi comme ça. Ben, si maintenant. Non, moi, compresseur, je reste. Il y a des gens aussi que tu insultes et que demain vous êtes ensemble, non? Non, là, mais tu es en train de dire que comme compresseur m'a dit que ça ne fait rien. Non, on reste professionnel. Du Camer, on reste professionnel. Après, vous l'avez. Moi, compresseur, honnêtement, si c'est moi, compresseur du Camer, honnêtement, j'ai rien entendu. J'ai rien compris. Je gère mon business. Je reste professionnel en attendant de trouver une autre branche ou m'agripper. Point. Moi, compresseur, c'est comme ça que je réagirai. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien entendu. Je gère mon business en attendant de trouver une branche ou m'agripper. Point. Vous savez comment compresseur? Vous pensez que toute relation, c'est uniquement l'argent? Tu peux traiter avec quelqu'un qui te traite comme une poufiasse comme ça? Mais ça tu vous dit... Non, mais du Camer. Moi, je vois déjà, moi, dans le sens des choses, je vois déjà que tu as ton parti pris. Mais moi, ce que moi, je veux, ce que je parle dans ce truc, c'est que quelqu'un qui prend son argent, qui expédie pour qu'on insulte les autres, qu'on entre en guerre avec les gens, moi, je condamne même, ça. Même la dame là envoie l'argent, ça ne peut pas insulter les gens. D'accord? Quand ça m'est là confirmé. Mais justement, lui, n'arrive pas à le tuer, apparemment. Hein. Il échappe toujours à moi, tellement il est puissant. Ça, c'est de un. Le même Samer reçoit l'argent de partout. Ça veut dire qu'un jour, parce qu'effectivement, après tu lui envoies de l'argent que les gens lui envoient pour le lui envoyer, un jour, il va se lever pour dire que Perpétue lui a envoyé l'argent pour insulter quelqu'un et il va montrer les preuves de transfert d'argent. Et bah oui, il aura des preuves. Effectivement,
écoutez-moi, écoutez-moi, quand vous entendez ces échanges avec M. Messant, c'était des échanges au départ de père et fils. Entre père et fils, il peut lui avoir envoyé de l'argent pour l'encourager ou bien pour le soutenir dans sa misère où il est. Maintenant, il prend ce contexte-là pour vous vendre ça, pour dire qu'on le lui a envoyé pour insulter les gens. Il y a un certain Toby, ou c'est Tobion, c'est Lolo lui avait envoyé de l'argent pour insulter des gens. Alors qu'apparemment, c'était juste pour l'aider à manger ou bien à payer, je ne sais pas trop quoi. Donc, arrêtez de prendre pour content tout ce que les gens viennent vous dire sur Facebook sans avoir des preuves. Il y a des preuves, il y a des voix. Il y a des voix que le monsieur, il explique bien qu'il faut les faire ça dur. Il faut les mélanger. Je vais t'envoyer l'argent à telle heure. Je t'envoie l'argent demain. Voilà, il y en a des, je ne m'en pas qui a insulté ta mère. Il faut lui faire ça. Il faut lui faire ça. Je t'envoie 100 euros demain. Il faut faire ça. Ça explique bien et c'est la voix du monsieur. Ce n'est pas qu'il est venu le dire verbalement. Non, il a appuyé sur play et il est... Vrai. Mais je dis, connaissant ce jeune homme, moi, honnêtement, je prends tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait avec des pincettes. Honnêtement, avec des pincettes. Parce que la preuve, c'est le même Samé qui est venu dire ici que M. Messant n'a pas payé la table de Flore, avec preuve à l'appui, qui nous sorte ses preuves. Parce que même la propriétaire même de l'événement est venue confirmer que M. Messant a payé. Dans une phrase, il vous dit 4 mensonges et une vérité, et vous choisissez ce qui est vrai et vous choisissez ce qui est faux. Quand moi, quelqu'un... Je m'en tiens au voice, hein. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Si il sort un truc avec les preuves et qu'il montre le voice, j'entends bien la voix du monsieur. C'est pour ça que moi, je confirme, en fait. Mais s'il venait le dire verbalement comme ça et en jouant des voices qu'on ne comprend même pas la voix, là, je peux avoir des doutes. Mais du moment où il y a des voices qui jouent et qu'on entend bien la voix du monsieur qui lui dit ce qu'il doit faire, qui lui dit « je vais t'envoyer de l'argent, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire la guerre, il faut faire ça, il faut faire ça, ça, il faut faire la guerre », là, on entend bien la voix. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je suis d'accord avec vous, madame. Maintenant, je vais vous faire un scénario. Vous me permettez, s'il vous plaît? Bah, allez-y. Merci. Du coup, mais voici un scénario. Hein. Tu me dis si c'est plausible ou pas. Oui, papa, j'ai mes cours qui sont là. Je dois envoyer l'argent même parce qu'on doit composer. J'ai besoin de 100 euros pour envoyer l'argent. Vraiment, c'est difficile. Mais j'ai vu Nadège t'insulter. Non, je ne peux pas laisser ça, papa. Je ne peux pas laisser qu'il t'insulte comme ça. Ça me fait mal. D'accord, mon fils, je t'envoie ça. Cette phrase-là, dans ce monologue que je viens de faire, on a l'impression que les 100 euros que j'envoie, c'est pour qu'il a insulté quelqu'un. Alors qu'au départ, les 100 euros, c'était parce qu'il m'a posé un problème. Écoutons-nous, on est 3 dans la conversation. Est-ce que tu as écouté le voice de l'abbé Samé où il est en train de plaider la cause de son grand frère sur Ahmed Kamer, disant que Ahmed Kamer c'était quelqu'un de très méchant et qui n'aurait plus affaire à lui? Oui, moi je les condamne tous, du Kamer. Je les condamne tous. Distel, s'il te plaît, mais je laisse moi parler. On va tous parler. Mm-hmm. Donc, qui a demandé à défendre Jean-Louis Messant, c'est l'abbé Samé qui a demandé, qui a dit qu'il en avait marre que Ahmed Kamer insulte son grand frère et qu'il voulait le défendre. C'est lui qui demande. On dit, ben vas-y, d'accord. Parce qu'il y a le voice dans lequel l'abbé Samé a dit qu'il en a marre. Il en a marre du fait que Ahmed Kamer s'attaque à son grand frère. L'abbé peut dire que, le même Samé peut dire que, grand frère, bon, j'ai besoin d'argent, est-ce que je peux avoir l'argent? Le grand frère va dire que oui, je t'envoie 100 euros, mais il faut les faire ça dur. Ça, on aura les l'impression qu'il envoie les 100 euros. Il demande les 100 euros, c'est parfois autre chose. Ne vous attendez pas au... En fait, le A qu'on dit sur Facebook, vous prenez ce A avec des pincettes. Moi, ça... L'abbé Samé, écoutez un peu, je vais vous dire. L'abbé Samé vit du chantage. Il est au Maroc, les gens le payent pour lyncher les gens. Il a fait ça avec Vicky Vasquez, qui le payait. Linda Monnery le paye. Beaucoup de gens qui rigolent avec l'abbé Samé, toutes ces femmes payent l'abbé Samé pour insulter les gens. Tout le monde connaît son travail. Donc, quand vous voulez insulter quelqu'un, vous ne voulez pas vous salir, prenez la saleté de l'abbé Samé, vous le payez. C'est pas le seul qui fait ça.
Quelles sont les blogueuses qui ont recruté les gens pour insulter les gens? Vous ne les connaissez pas? Du Camer, on ne dit pas non. Quand vous dites qu'il s'est trempé dans le sale, du Camer, attends un peu, pardon. Quand elle dit qu'il s'est trempé dans le sale, bon, supposons même qu'il a payé la Bessamie, d'accord. Vous insistez dessus, d'accord, il a payé. Mais madame, vous pensez que. Vous avez vu dans les grands acteurs. La Bessamie vit des sales choses. C'est le Camerounais qui a le plus sale métier, on le paye pour insulter. Effectivement, supposons même qu'il ait payé quand vous dites, supposons qu'il ait payé la Bessamie pour aller insulter quand vous dites, et que vous dites qu'il s'est trempé dans du sale. Excusez-moi, vous avez vu dans les grands combats, dans les grands films, là, les acteurs même qui vont, les chevaliers qui vont se salir, bien quelqu'un qui va se salir pour n'importe quel combat. Il y a les grands patrons qui sont assis dans leur duplex, dans leur villa, dans leur fauteuil. Ils envoient des gens pour faire leur combat à leur place parce qu'ils ne veulent pas se salir, justement. Ils ont les moyens de leur politique. On va justement dire que M. Messa a les moyens de sa politique, c'est tout. Que la lutte à bosse également paye quelqu'un d'autre pour l'insulter. Là, on va aller de paye en paye et on va voir quel est le moyen de sa politique. Ah, au bout. Quand la Bessamie fait la plus de cette dame. Il fait la plus de cette dame tout simplement parce qu'il est payé. La Bessamie est passée dedans pour insulter les gens. Elle, du Camer. Est-ce que tu comprends ce que tu dis que la Bessamie est payée par cette dame pour. Je comprends. Je n'ai pas dit le contraire. Et même pour attaquer Messa. Je comprends. Mais je n'ai pas dit le contraire. Attends, il a trouvé le prétexte des Voice. Donc, il a trouvé juste un petit alibi pour s'attaquer à Messan. Je comprends très bien. Hein, pour détruire copieusement M. Messan. Il a pris celui. On a été dans le même live avec la Bessamé. Pardon, avec Amé Kamer de M. Messan. Il fallait voir la manière dont il s'adressait. Même tout à l'heure, regarde comment la saleté d'Oshiga s'adresse à Messan. Hein? Regarde comment la saleté, une fille comme Oshiga qui n'a même pas la moitié de la beauté de la femme de Messan. Son chômeur de gars, il faut le dire, ils sont en train d'insulter mes sens sur la base. Camer, toi, combien de personnes t'as insulté? Toi, tu as payé. Laisse-moi, je ne suis pas le sujet. Ne nous amène pas ailleurs. Tu fais partie de blogueurs, non? Ah, aujourd'hui, ce n'est pas moi. Il faut arrêter. Mais alors, prends l'exemple, c'est toi. Tu veux dire que toi, tu as plus de la hauteur que lui. Je m'en fous. Alors, il ne faut pas accepter les conneries. Lui, il s'est sali qu'il accepte. Point bas. Mais c'est sali comment? Quand quelqu'un, il a fait un manque. Il est entré dans la boue. Il est entré dans la boue. Pourquoi toi tu ne payes pas sa mère? Tu ne payes pas les gens. Tu prends la caméra, tu te places, tu parles. Lui, tous les jours, il dit les monsieur propres. Alors, monsieur propre se retrouve en train de monsieur quoi? Monsieur gangster? Qu'est-ce que tu me racontes là, toi? Moi, je n'accepte pas ça. Ils sont tous pareils. Voilà. Ben, si l'abbé Samé a contacté monsieur Messan pour lui demander d'aller l'insulter à Mekamé et tout ça, ça veut dire qu'ils étaient en bon thème. La vraie question est que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne soient pas en bon thème? Parce que la Bessamée, c'est un maître chanteur. Quand il te demande de l'argent, tu ne donnes pas. C'est comme Toby, c'est pareil. Et Toby vient. Qu'est-ce qui m'a séparé de lui? Il est venu à mon Dieu, il ne lui a pas donné la parole. Il a commencé à m'insulter. Mais est-ce que toi, tu as donné l'argent? Toby va m'insulter tel. Alors, tu me demandais, je suis désolé, tu dis je suis désolé. Et on passe à autre chose. Moi, le monsieur, il est monsieur propre tous les jours. Je ne refuse pas qu'il y ait eu des coups bas avec sa copine, leurs camarades là et tout. Et chacun apporte son fado, chacun a son mal qu'il a fait. Mais où moi je condamne le monsieur, pourquoi il allait donner des sous à mes sangs pour insulter à la baisse à mes. Alors que lui-même, il insulte les gens sur les réseaux. Lui-même, il engueule sur les réseaux, non? Il a insulté Patricia Mel combien de fois? Pourquoi il n'a pas mis sa caméra pour insulter Amé Kamer? Pourquoi il n'a pas mis sa caméra pour insulter Amé Kamer? Il faut arrêter. Patricia Mel, c'est qui ça? Il fallait qu'il insulte aussi Amé Kamer. Pourquoi il a payé? Il a peur d'insulter Amé Kamer, lui. Il choisit les gens qu'il doit insulter et il choisit les gens qu'il va envoyer sa mère insulter. Il ne faut pas accepter n'importe quoi du Kamer. Toi, tu affrontes tout le monde, non? Arrêtez, monsieur propre, monsieur PTT, monsieur ceci, monsieur cela. Il n'y a même pas de personne sur la toile. Ah, mais quand même, c'est un escroc, c'est sale type avec sa femme. Là. Donc, c'est même pas mon problème, c'est dans le sens où ce qu'il est allé faire, c'est où moi je condamne le truc. Mais le reste, tout cela sont des patates de même sion. Mais la condamnation de ce monsieur, les voices là, ça a rendu le monsieur plus bas. Toi, du Camer, tu essaies de laver son image, mais les voices restent. C'est dans les archives, ça reste. Quoi que tu fasses là pour laver l'image de monsieur là, ça ne va pas effacer les voices où on entend. Non, je suis en train de régler un problème, chien. Ok. Tu es très belle. Tu es dans 30 minutes tout à l'heure. Il y a un gamin de Belgique là qui m'invite en boîte. Je ne sais pas si je vais partir. Je suis fatigué. Qui ça? Mmh.
Dis-le mon nom. Il s'appelle comment? Tu le connais pas, toi. Donne-moi encore le direct avant de finir. Ok, tu as appelé dans combien de temps? Si on ne dort pas. Tu es en cabane. Si ça dort, on aura les problèmes. On aura les problèmes. Pourquoi? Oui. Je suis venu t'attendre, tu dis que tu finis ton temps, tu vas dormir. Mes followers ne vont pas. Mais tu veux servir mes followers qui me regardent. Ils savent que j'ai une femme qui est en Allemagne. Et maintenant, ma femme doit aussi savoir que j'ai les followers qui aiment m'écouter. On aime ton mari, tu as fait comment? Ok, d'accord. Tu as mis le cabaret, je n'ai pas bien vu le cabaret. Moi, je vois bien le cabaret. Mais tiens, moi, je vais tout à l'heure. J'ai tout à l'heure, tu es très, très belle ce soir. Ah bon? On va démonter ces gens. Ils auront toujours à vouloir s'expliquer. Ils vont toujours. Oh là là, mes gens, ils me font que m'appeler. Ma chérie, ma femme dit qu'elle ne veut plus de live. Vous savez que les lives si gâtent mes relations. Je suis avec la femme m'entend, je suis en direct. Oui. Cette dame, je ne sais pas c'est quoi son problème, mais c'est le prototype du Cameroun. Elle parle comme toutes les femmes sont en train de parler, même avec les voices que M. Messin a démontées, ils auront toujours à dire. C'est pourquoi même sur Internet, ils vont te dire que tu as le sida. Tu vas même aller faire le test là, ça va être négatif. Ils vont venir toujours dire que c'est un faux test. Les choses comme ça là, tu vois. Tu as dit que tu as... les 19 lettres, hein? Non. Tu as dit quoi? Tu as dit que tu n'as pas les 4 lettres, non. Que tu as les 19 lettres. J'ai trop de lettres, même. Les babiers comme ça. Tu t'appelles monsieur 19 lettres, maintenant. Tu vois, même la personne qui crée ça, si tu vois la femme avec qui je parle, là, une femme belle, une femme tiens, une princesse tiens, ma femme. Tu as parlé, même, je vais me la montrer. Attends, je vais l'appeler encore. Je dis que voilà ma femme. Parce que quand vous êtes filles, les fausses filles, comme vous parlez souvent de quelqu'un, tu vois la femme qui aime la personne, la femme avec qui la personne est, la fille d'un mineur. Hein? Donc, arrêtez-nous vos amitiés de pacotille qui est aussi sur Facebook. Les comme moi, là, sont très différents. Vous ne parlez pas fort. Oui. Parce que regarde, la même Gluta qui parle bien avec Patricia, hein, Groné. Et c'est la même Gluta qui a pris l'adresse de Groné. Ça, là, son, lui ennemi, pense... son ennemi numéro 1, c'est Flore. Je décortique un peu. Dans le cas de M. Messan, on a compris la toile en un mot. L'hypocrisie. Un seul mot, l'hypocrisie. Quand je vois, par exemple, le live d'Oshiga et Amel Kamer, et je vois Compressor Perpétu qui est dedans en train d'acclamer de, parce que Amel Kamer est en train de laver son ex-grand frère, y compris Oshiga, et elle applaudit, elle acclame les deux. Oshiga qui a lavé sa sœur de zoophile, de baiser, de chienne, de tous les noms de tous les noms d'oiseaux, et qui est dans une télé où on insulte Flore et tout. C'est et une tout. Mal élevée, c'est une fille qu'il n'y a que Amer Kamer poubelle. Parce que Amer Kamer, c'est le petit-fils de poubelle, de saleté. Il n'y a qu'un homme qui n'a pas de saleté qui peut sortir à l'espèce. Et là, comment elle a fait? Je suis con. Mais ça ne lui a rien fait. Monsieur, mais ça ne lui a rien fait à cette poubelle-là. Le couple. Mais écoute-moi, je vais dire. Qui est clair, moi je suis compresseur, je suis Flore, j'aime les deux, mais aujourd'hui j'ai compris que sur Facebook, même cette amitié entre Flore et Perpétue, c'est juste un pensement. Pourquoi ils sont jamais amis des pauvres? Pourquoi Amé Kamé écrase toute personne qui n'a pas la popularité de Flore? Pourquoi il fait semblant de respecter Flore? Hein? L'événement de Flore où il devait être là, il n'a pas été là. Gluta Magin, est-ce qu'elle est même venue à l'événement de Flore qui est la copine des compresseurs? Est-ce qu'elle était là-bas? Mais pourquoi? Donc, vous dites que les gens m'en foutent et ils écartent les gens après les m'en foutent. Amel Kamer a dit que Lolo est traite, du Kamer est traite. Et quelqu'un là avec la bouche comme les un vieux lézard qui veut prendre. Voilà quelqu'un. M'en fout ne peut être calé avec les gens qui entreprennent. M'en fout en train de construire, en train de construire. Entre nous, il peut jamais avoir la jalousie. Parce qu'elle fait, je suis en train de faire la même chose. D'accord? Quand m'en fout marcher avec un Amel Kamer, qu'est-ce qu'il fout de sa vie? Il n'y aura que la jalousie. Tu ne peux pas avoir l'amitié avec des gens qui ne font pas même le 1 centième de ce que tu es en train de faire. Ma faute, c'est une femme d'affaires, c'est une femme qui chante.
Quand vous voyez ma fauvage partout, elle ne cherche pas l'argent. Quelle amitié il y a entre quelqu'un qui cherche l'argent et quelqu'un qui ne cherche pas l'argent? Quand quelqu'un dépanne Flore, il est fier de dépanner Flore. D'accord? Il dit que je dépanne une femme qui va faire quelque chose avec l'argent. Mais il y a des gens ici, depuis qu'on est dans l'argent, ils n'ont même pas acheté même une petite maison ou quelque chose avec. Ils viennent parler des gens. Depuis qu'on est dans l'argent, ni au Cameroun ici, ils n'ont même pas le parapente. Tu entends que j'ai mis le PayPal. La bordel aussi là-bas, j'ai mis le PayPal. Couple de voyous comme ça. Ils sont là que mes sangs, tout comme moi, vit dans une belle maison. Elle détruit son propre business. Ils ont commencé à en devenir fou quand même. Ben oui, et les propos qu'elle tient sur compression, c'est pas tolérable. Elle va s'excuser que. Elle va maintenant, ça manipule. Ma chérie, tu prends une égérie, tu insultes ton égérie comme ça là. On peut insulter son égérie. Quelqu'un qui fait ta publicité, tu l'insultes de manger d'œufs de poulet. Vous voulez simplifier ça, les paroles comme ça? Tu traites une personne qui est ton égérie, qui met ta marque en valeur, qu'une mangeuse de poulet. Flore qui ne t'a rien fait, tu dis que les gens qui baisent partout. Mais. Baiseuse internationale. Voilà comment elle appelle Flore. Baiseuse. Quand tu la vois, elle-même, tu sens que c'est une mangeuse de bangala qui au père. Mais tu vas me dire traiter l'enfant. Non, ça veut dire qu'avec Broné, je suis sûr qu'ils ont longtemps parlé de Flore avec Broné. Ça, je mets ma langue au bois. Moi, il y a vu que la fille avait la popularité et elle est prête. Elle est en train d'avoir le même chemin que les bêtises qu'il y a au Cameroun. Là. C'est comme ça, les gens qui peuvent écraser tout le monde pour être connus. Au lieu d'aller même normalement dire à quelqu'un, fais-moi connaître, elles sont prêtes à tout. Ça, c'est le même chemin de la saleté du Cameroun. Là. C'est comme ça qu'elles font. C'est pareil. Quand on me dit qu'elle n'a pas utilisé l'image de mes seins pour pouvoir se vendre, moi, je dis non. C'est pas une histoire de contrat. Elle a bel et bien utilisé son image parce qu'il est clair qu'elle n'a rien dit par rapport à cela. Il n'y avait pas de contrat. C'est sortir aujourd'hui. Que le seul contrat, c'était lors du live où Flore devait intervenir. Maman Guylaine, là aussi. Regardez le bouffon. Tu penses que tu es le seul qui a les voix? J'ai les voix qui sont autour de toi. J'ai les voix de ta bouffonnerie. Merci, Maman Guylaine. Il est toujours là, un flagonneur. Toujours en train de dire Maman Guylaine, papa, paye les gens, papa, pour les stocker des fonds. Misérable, va travailler. Tu voulais aller aux États-Unis. On va. Il est en train de faire un direct là-dessus. Et moi, je te le dis, Ahmed, la sortie qu'il a fait sur toi, c'était une sortie de trop. C'est pas Ahmed. C'est toi qui n'as pas fait le Congo, ça, Ahmed. Hein? C'est toi qui n'as pas fait le Congo, ça, Ahmed, sans que oh, la sortie qu'il a, et Ahmed a fait sur toi n'est pas bonne. Les gens, je vais dormir. Mais qui devait faire ce genre de bêtises. Donc moi, je ne suis même plus avec ce monsieur. Je ne suis plus avec lui. Ça, je suis déçu, je suis dégoûté. Quand je pense que j'ai toujours mouillé mon maillot, donné ma poitrine pour les miens, et que c'est Ahmed Kamé aujourd'hui qui prend sa caméra et qui te parle de la sorte. Non, 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 papa, même si vous... Tu serais tes arrières. Tu exerces. T'as... Tu n'as même pas encore commencé à faire la pub. Tu te plains, mon frère. Quand toi, tu vas alors faire ça, alors ça va être comment? Hein? Tu t'exerces. C'est-à-dire que tu fais juste des essais. Tu te plains. Quand tu vas faire la vraie pub, là, ça va être comment alors? Donc, prépare ton agenda comme tu dépasses. PTT, PTT. Tu vas créer les PTT. Tu mets un parti politique à un moment donné et tu comptes sur quoi? Hein? Sur les mangeuses de pâtes de poulet comme ta soeur complice. Ou sur des baiseuses internationales comme Flore de Lille. Ah, pardon. Fais la publicité, tais-toi. C'est tout. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Vous faites semblant d'avoir compris. Vous les avez allé supporter l'Angala, non? Allez la supporter, allez acheter ses produits. On a les voices. Voilà les vraies voices. Où tu t'attaques aux gens, madame. Ça, c'est les vraies voices. Ça, c'est les voices Pro Max. Tu as les ambitions sans assurer tes arrières. Tu crois que vous, c'est comme ça que les Américains vous dépassent. PTT, PTT, tu vas créer les PTT. Tu mets un parti politique à un moment donné et tu comptes sur quoi? Hein? Sur les mangeuses de pâtes de poulet comme ta soeur complice. Ou sur des baiseuses internationales comme Flore de Lille. Ah, pardon. Ouais, une femme, tu appelles Flore baiseuse internationale, ma chérie. Et... Le nom de Flore, que baiseuse internationale.
Ça, c'est toi, ça. Comme si tu avais baisé avec elle. Ouais, la provocation. Allez, pardonnez, allez dire que... Écoutez-moi, des sales gens comme ça, là. Vous arrangez demain après-demain. Moi, je suis plus avec lui. Regardez comment elle parle. Fais la publicité, tais-toi. C'est tout. Oh, papa, beaucoup de courage. Oh, papa, beaucoup de courage. Regarde-moi un salopard. Et tu viens sortir, tu parles de lui, tu partais commander là-bas, bouffon. Il t'a excusé aujourd'hui. Hein. Mets dans ta tête que c'était de la com, c'était de la com. Si tu penses un seul instant que c'est parce qu'il était soumis à toi, tu es bête. On appelle ça la communication. Donc il t'a mis au travail. Tu as compris, petit mendiant. Il t'a mis. Ah là là, c'est quoi ce truc? Oh, pardon. Il t'a mis au travail. Donc si tu crois vraiment que monsieur Messaitan t'a été respecté, c'est que tu es bête, tu es nul. On appelle ça la com, petit. On est derrière toi. Tu vas te calmer ici, là. La famille n'est pas bien. Voilà, il met encore les voix, il met les vraies voix. Tu n'as même pas encore commencé à faire la pub, tu te plains, mon frère. Quand toi, tu vas alors faire ça, alors, ça va être comment? Hein? Tu t'exerces, c'est-à-dire tu... Vous avez commencé à vous justifier. Là, tu prononces au glutin cosmétique. Hein? Quand tu vas créer ton parti politique, des PTP, tu vas avoir besoin de fonds, n'est-ce pas? Voilà, et là, tu sauras que tu avais supporté ta petite sœur et tout. Tu as les ambitions sans assurer tes arrières. Tu crois que vous, c'est comme ça que les Bamileke vous dépassent. PTT, PTT, tu vas créer les PTT. Tu mets un parti politique à un moment donné et tu comptes sur quoi? Hein? Sur les mangeuses de pâtes de poulet comme ta soeur compressor. Ou sur des baiseuses internationales comme Fleur de Lille. Ah, pardon. Fais la publicité, tais-toi. C'est tout. Un Congo sang, putain. Ça peut finir la vie de quelqu'un. Un trauma. Pourquoi il achète un chauffage? Parce que le chauffage de la maison, c'est une façon de faire. Je peux la clé sur le fonction. Toutes ces vieilles choses, tous ces anciens bordels avaient devenu bougeuses. C'est que la bordellerie, ça paye tellement. Tout le monde veut devenir bougeuse. Dans ma chambre. Merci. Ah, les étoiles, les gens n'ont pas les étoiles, c'est chaud. Les gens sont pauvres. Demain, tu devais bien faire le live. J'ai crevé, moi. Il y a un âge où les sorties, là, tout ça. Je ne sais pas comment Flore fait pour être en boîte de nuit tous les jours. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas supporter les sorties, là, tout le temps. Comment tu fais pour être en boîte tous les jours, Flore? Tu fais ça comment? Montre le vrai amour. Hein. C'est pas les bêtises avec que tu fais avec Oshiga. Te montre le vrai amour. C'est bien. Tu ne prends pas.
Voilà. C'est bien comme elle ne prend pas. Comme ça, au moins, je vais dire que je l'avais appelée. Voilà une fille qui me met au pas. Quand elle appelle, elle dit que je t'ai appelée depuis. Aïe, aïe. C'est sale tout ça, franchement. C'est bien ce qui se passe parce que. Oui, que l'Angola, c'est l'Angola est mal élevé, mon frère. Je ne sais même pas comment les adultes peuvent être mal élevés. Les adultes, hein. Comment tu peux être grand? Moi, je vois les gens qui vivent mal. Oh, la fille, elle me rappelle. Les gens vivent mal, enfant. Ils partent te faire les anniversaires de millions. Wesh, Cameroun. Ils m'ont déjà dépassé. Ouais, chérie. Et accoucher. Oui. Ouais. Tu parlais de quoi, Jésus? C'est chaud de la tension. Il est 1 h du matin, je suis mort. Tu aimerais que ça fait quoi? Quand tu épuises tes énergies sur les gens et